passe dehors. On va faire ça dehors. L'interview? Tout le monde dehors. Non, il faut ça des familles, non? Oui, oui. C'est bon. Tire ton câble, on va aller. C'est bon. Écoutez. C'est bon. Allez-y. Suivez. Je suis fier. Allons-y. Je suis fier d'annoncer à l'opinion nationale et à l'opinion internationale la création du collectif des partis politiques en Guinée. Nous nous sommes retrouvés ici en présence des représentants de toutes les coalitions. Chaque coalition était représentée par 4 personnes, 4 leaders. Et nous avons donc validé la création de cette plateforme qu'on a appelée Collectif des partis politiques guinéens, CPP. Nous avons mis en place un comité de coordination qui sera composé de 14 personnes qui va se retrouver jeudi pour mettre en place des commissions qui vont réfléchir et travailler pour définir la position de ce collectif par rapport à la Constitution, par rapport au code électoral, par rapport à l'organe de gestion des élections, mais également par rapport au chronogramme et à la durée de la transition et par rapport au fichier électoral. Ces commissions vont travailler très rapidement et définir une position consensuelle pour l'ensemble des partis et qu'on va exprimer publiquement et qu'on pourrait adresser d'ailleurs à cet effet un mémo au Conseil national pour le redressement et le développement, Comité national pour le rassemblement et le développement, et on donnera aussi ce mémo aux partenaires techniques et financiers. Voilà un peu la prochaine réunion, la prochaine plénière aura lieu chez Dr Ousmane Kaba au siège du MADES, et nous allons avoir une réunion du comité de coordination à mon siège à CBG le jeudi prochain pour la mise en place des commissions et la définition des lettres de mission de chacune des commissions. Mais des questions qui doivent être abordées, je vous l'ai déjà dit, c'est notre position par rapport à la Constitution, le code électoral, l'organe de gestion des élections et également le fichier électoral et le chronogramme et la durée de la transition. Monsieur le Président, est-ce qu'il était aujourd'hui impérieux que la classe politique parle d'une même voix? Là, jusqu'à présent, on a parlé d'une même voix et je suis convaincu qu'on réussira à parler d'une même voix. Parce que nous avons, malgré la différence de sensibilité, bien que nous soyons des concurrents au moment des élections, il y a beaucoup de valeurs que nous partageons. Nous sommes attachés à la République, nous sommes attachés à l'instauration en Guinée d'une véritable démocratie, une démocratie apaisée, mais également un état de droit qui fera respecter les droits et les libertés des citoyens guinéens. Monsieur le Président, dans le discours d'adresse du chef de l'État, il a parlé de la transition sans parler de la durée. Qu'est-ce que vous en dites? Non, mais nous, on va proposer une durée. C'est-à-dire qu'on va proposer un chronogramme et une durée. Parce que pour nous,
Aujourd'hui, notre pays est suspendu de l'OGOA, suspendu des instances de la CEDEAO et de l'Union africaine. Il y a beaucoup d'organisations et de pays partenaires qui ont réduit ou suspendu leur coopération. Il faut que la Guinée sorte rapidement de cette transition pour pouvoir bénéficier justement, pour reprendre d'abord sa place auprès des instances de la CEDEAO et de l'Union africaine. N'oubliez pas que la Guinée est membre fondateur de ces deux organisations. Et pour pouvoir aussi reprendre très rapidement sa place à l'AGOA et reprendre aussi pleinement sa coopération avec tous les partenaires. Et quel sera le rôle du CNT, puisque déjà vous substituez au CNT? Docteur Makale, ça prouve que les partis politiques peuvent être unis face à l'essentiel. L'essentiel, c'est la période de transition. Nous sommes les partis politiques à la fois partenaires et concurrents. Mais aujourd'hui, nous sommes partenaires. Nous sommes pas à la transition. Voilà pourquoi nous nous sommes réunis, nous nous sommes tous donné la main. Et nous allons avoir des discussions tournantes. Aujourd'hui, c'est à l'UFDG. Demain, ce sera à la Coupe de Opades, etc. Pour que nous puissions dégager des voies et moyens que la Guinée puisse aller de l'avant. Et que nous puissions sortir de cette transition indemne. Que ce ne soit pas comme la dernière fois en 2010. Je crois que c'est ça qui guide vraiment l'ensemble des hommes politiques aujourd'hui. Vos préoccupations sont affichées, ces assises pour vous, c'est une perte de temps, comme l'estiment certains observateurs. De quelles assises vous parlez? Les assises nationales dont a annoncé le président de la transition. Bon, nous n'avons pas encore eu les éléments. Nous allons nous discuter pour prendre position. Mais a priori, je peux vous dire que tout ce qui est concertation, tout ce qui est discussion en Guinée, c'est une bonne chose. Vous savez, la Guinée est une terre de tragédies. Nous avons eu beaucoup de tragédies dans notre petite histoire. Elle n'est pas trop longue, hein, une histoire de 60 ans, mais il y a déjà pas mal de choses. Si les Guinéens puissent